Hello and welcome on The Watchers TV, and today we have a special video celebrating in a way the 20th anniversary of the Chronomètre à Résonance from François-Paul Journe. In Geneva was recently held a dedicated exhibition of this illustrious timepiece, and we had the chance of getting real close and film some of these historical models. But before the first commercial model came to life, well, you can easily imagine that this didn't happen overnight, and therefore we will first hear from the man himself on how he got acquainted to the principles of the resonance mechanism. And many of us may know F.P. Journe as a brand, but you really have to grasp that Mr. Journe is a true watch scholar with an immense knowledge when it comes to the history of watchmaking, and I'm not only talking on an academic standpoint, but also having worked on many restoration projects himself. Anyhow, he will then simply explain us how this resonance actually works before talking about the new model launched this year, a seriously updated version. Je voyais toujours, quand j'étais à Paris, que je travaillais avec mon oncle, on s'occupait du musée des arts et métiers, où il y a le régulateur de Breguet qui a été fait pour Louis XVIII. Et tout le monde disait, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a deux pendules? La notion de résonance, ça parlait à personne. Et j'ai travaillé dessus, puis je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait et que c'était intéressant. Après que j'ai fait ma première montre pour moi, mon premier client m'a demandé de lui faire une montre et j'ai proposé de faire la résonance. Et qui n'a pas bien marché, donc j'ai arrêté. Et je dois dire que j'ai recommencé un jour et j'ai recommencé. Et c'est la dualité de Philippe Dufour qui m'y a fait repenser. J'ai dit, tiens, il faudrait que je reprenne ces travaux. Avec tout le risque de non-fonctionnement, puisque je n'avais pas prouvé encore que je savais en faire marcher une. La masse déplacée dans un régulateur comme le janvier qui est derrière, ou dans une montre où le balancier pèse rien, l'influence est beaucoup plus faible. Mais enfin, le fonctionnement est assez simple. Lorsqu'on a deux balanciers ensemble, s'ils sont réglés à quasiment la même fréquence et le même spectre chacun, alors ils absorbent l'énergie l'un de l'autre. C'est une conséquence naturelle. Et ils se mettent à battre ensemble. Le but du jeu, c'est de faire une montre bracelet qui n'est pas sensible au mouvement du poignet. Puisque si je fais ça avec cette montre, peut-être le balancier s'est accéléré ou ralenti, je ne sais pas. Mais si je fais ça avec une résonance, un balancier va s'accélérer, un va ralentir. Et après, ils vont refaire leur moyenne, parce qu'ils s'attirent. Donc l'effet du mouvement est annulé. Voilà le but du jeu. Donc c'est la montre, normalement, la plus précise pour porter au poignet. Bon, nous, on réglait toujours, il y avait deux barillets, deux trains de rouage. En fait, c'était, comme disaient les anciens, parce qu'il n'y avait pas de notion de résonance quand il parlait d'un régulateur, il parlait d'un régulateur double. Quand Breguet a fait ses montres, il a dit ce sont des montres doubles. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que quand ils disent double, c'est comme la mienne que j'ai fait, celle d'avant, il y a deux rouages indépendants, il n'y a aucune mécanique qui les relie, si ce n'est le châssis de la montre, la platine, et leur fonction se fait à travers les vibrations. Dans la nouvelle, ce ne sont plus des joumeux, ce sont des siamois. Le barillet, il n'y a qu'un seul ressort. Tout ça pour faciliter le remontage à 2 heures, sans briser l'axe d'architecture du mouvement. Après, bon, j'ai dit,
il faut un différentiel pour aller vers les deux rouages. Et puis, quel était le problème de la première résonance quand on a deux mouvements jumeaux? C'est que le ressort de barillet perd de la force au fur et à mesure, donc sur 24 heures, et qu'on devait faire un réglage moyen à 14 heures de marche, ce qui faisait une moyenne journalière. Alors que maintenant, on n'a plus besoin sur plus de 24 heures de marche. La marche est identique puisque les remontoirs d'égalité font qu'il n'y a pas de différence d'amplitude. Donc c'est une précision supplémentaire. Well, I hope you enjoyed this, and I can promise you that it's not every day that we got to handle more than 10 chronometers à résonance, including the very early prototypes. Yes, sometimes I must admit that I really love my job, and even more happy being able to share this with you. So anyhow, all the very best to all. Thanks for watching, sharing, commenting, and a huge Viva Watchmaking to you!